Que ce soit pour le plaisir de se retrouver en pleine nature ou pour relever des défis physiques, l'ascension en montagne permet de vivre des moments intenses. Par une belle journée d'automne, quatre jeunes amis d'enfance décident de partir à l'assaut du Mont Washington aux États-Unis. Une montagne exceptionnelle. Contre toute attente, l'excursion tourne au tragique lorsque les quatre jeunes doivent affronter une nature déchaînée qui les met en danger. Chance d'avoir le Mont Saint-Hilaire dans notre cours, pratiquement. Fait que, partant même les temps les plus froids, les plus venteux de l'hiver, c'était notre but d'aller monter la montagne. Une semaine qu'on s'est dit, ça serait le fun de monter le Mont Washington. C'est le plus gros défi d'un point de vue sommet montagne en Amérique du Nord, qui est proche de chez nous, accessible par voiture. Le Mont Washington est situé à 4 heures de Montréal, dans le parc national des White Mountains au New Hampshire. Le mont Washington est la plus haute montagne du nord-est des États-Unis. Son sommet atteint 6288 pieds, c'est-à-dire 1917 mètres. Moi puis Maxime, on s'en est jasé pas mal. On a fait, bon, mais tant qu'à y aller, juste fait deux. On va demander à notre ami Gabriel s'il veut venir. Il a accepté tout de suite. Par la suite, ben, son frère a dit « Est-ce que je peux me joindre à vous? » Bien sûr, on avait de la place. Puis à quatre, ben, c'est mieux qu'à deux. Gabriel était le plus vieux des deux. Il était le héros de son frère. Et, ce que Gabriel faisait, ben, Adrien embarquait. Je me sentais assez expérimenté pour partir. C'est sûr, j'avais pas fait beaucoup d'escalade dans ma vie, mais je voyais pas ça aussi grand que qu'est-ce que c'était. C'est toute notre première expérience au Mont Washington. Le Mont Washington, c'est une montagne qui peut être tout à fait extraordinaire et relativement facile, mais qui, à d'autres moments, peut être extrêmement dangereuse. Vous pouvez avoir 20 degrés en bas, le beau soleil. En haut, il va faire moins 5. Et puis, c'est la tempête de neige ou il y a de la brume. C'est des records de vent qui ont été jusqu'à 300 km/h. Des conditions assez extrêmes pour que les gens veuillent s'entraîner au Mont Washington avant d'aller dans l'Himalaya ou des endroits comme ça. Une des premières choses qui est à faire avant de se lancer dans une aventure comme ça, c'est vraiment, d'avoir les connaissances. Avoir les connaissances, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir où on s'en va, connaître le terrain, connaître ses partenaires aussi, avoir une idée de notre itinéraire. Puis non seulement ça, c'est d'avoir des connaissances au niveau secouriste de base, au niveau secouriste en région isolée, qui est différent, parce que là, on s'en va dans une région qui est isolée, qui est assez loin des centres hospitaliers. Donc, il faut avoir un minimum de bagages pour s'aventurer comme au Mont Washington, de façon sécuritaire. On habitait toute la même rue. Fait que, on est sortis chacun de chez nous, on a mis les bagages dans le camion, puis on est parti. On peut aussi le faire en train du côté ouest de la montagne et plusieurs randonneurs le montent à pied sur le flanc est. Mais il existe de nombreux sentiers très différents sur tous les flancs de la montagne. And they're all very different.
Au départ, on a vraiment planifié là, de monter la montagne puis de redescendre à mi-hauteur pour coucher dans un shelter. Puis le lendemain, à refaire l'autre bout jusqu'au véhicule pour retourner chez nous. Quand on est arrivé, je trouvais ça vraiment gros du pied de la montagne. Là. C'est une montagne qui est excessivement haute. Là. C'est grandiose. En bas, il y avait une place où manger, puis on a mangé des sandwichs là-bas. Il y a juste Gabriel qui avait pas trop faim, puis qu'il aimait mieux attendre qu'on ait monté un peu la montagne avant de manger le lunch qu'on avait déjà dans nos backpacks. On a été se renseigner en partant, à savoir le chemin qui était le plus approprié, vu qu'on était un peu sur le tard, puis l'ascension qui était la plus rapide, puis, mais la plus demandante, c'était Huntington Ravine, puis c'est le chemin qu'on a choisi de prendre pour se rendre au sommet avant la noirceur. C'est ce qui monte le plus directement au sommet. Ça monte assez à pic, assez constant aussi. Là. Il n'y a jamais de plat, si on veut. T'as pas besoin d'équipement technique pour faire l'escalade de cette façade-là. Ça se fait à pied. Le sentier Huntington Ravine devient par endroits presque une paroi d'escalade. C'est très abrupt et dangereux. Pour atteindre le sommet le plus rapidement possible, les jeunes empruntent le sentier du ravin Tuckerman, avant de bifurquer sur le sentier du ravin Huntington, plus escarpé et plus direct. Je m'étais documenté au départ par rapport au trajet, là, puis la durée que ça prend. Ça peut prendre 4h30 comme ça, 26 heures, là. Dépendamment des pauses. Puis, hein. Si on part à 1h l'après-midi du centre des visiteurs en bas, c'est plutôt tard. Parce que vouloir faire le sommet à cette heure-là, ça veut dire qu'on revient à la lampe frontale, c'est sûr et certain. Là. Au Mont Washington, avec nos valeureux amis Max, Will et Abe. Ça fait quand même très beau, on va monter. On prendra une pause en temps et lieu. Si on voit que la journée avance trop, on dormira au pire. Au départ, ça ressemble un peu à n'importe quel sentier pédestre. C'est boisé. Ça traverse des ruisseaux, des petites rivières. Nous, ce qu'on avait vérifié, la météo était supposée être quand même assez favorable. Il parlait d'un 9 degrés pour la nuit à venir. Fait qu'on n'était pas trop inquiet des conditions climatiques. Au début, il faisait très chaud. Il faisait beau dehors. Fait que, on montait en T-shirt. Le Mont Washington, c'est une super belle montagne. Des paysages à couper le souffle, mais des températures qui peuvent varier là, d'une minute à l'autre là-bas. Donc, il faut être prêt à tout. On peut ressentir une différence d'environ 20 degrés entre le pied de la montagne et le sommet. Gabriel, je pense que c'était un des plus en forme. C'est le genre de personne, tous les jours, il faisait du patin. Plusieurs fois par semaine, on montait le Mont Saint-Hilaire. Côté forme, là, il est peut-être top shape, comme on dit. Là. Nos sacs à dos, ils pesaient environ 40 livres chaque. On avait au moins une quinzaine de bouteilles d'eau chaque. On avait de la nourriture, des sandwichs en quantité industrielle. On avait nos sacs de couchage, nos matelas pour dormir dessus. On avait du linge de rechange, nos imperméables, tout ce qu'il faut normalement. Au début, ça allait bien qu'on a commencé à monter. On s'arrêtait de temps en temps, prendre une petite pause, prendre une petite gorgée d'eau, manger une petite bouchée. À part le fait que nos sacs à dos étaient quand même assez lourds, ça allait quand même assez bien. Puis environ à moitié, on s'est arrêté pour garder le paysage alentour. Regardez la vue. C'était vraiment beau, le paysage, l'horizon qu'il y avait. C'est tellement beau. Ah. Plus tu montes dans l'ascension, plus ça se dégarnit les arbres, plus ça va, plus tu tombes dans un paysage un peu plus rocailleux. L'excursion en montagne devient tout à coup plus difficile. Alors que la troupe approche du sommet, le temps change radicalement. Le mercure descend, le vent se lève. Les conditions météorologiques se dégradent de façon préoccupante.
installer les imperméables, toute la quête. Moi, j'avais un imperméable peut-être un peu plus adapté, puis des vêtements un peu plus adaptés. Adrien, puis son frère Gabriel, il y avait plus des imperméables de style poncho. Fait que quand la température s'est détériorée avec le vent, ça lui faisait plus une cape qu'un imperméable. Là, on commençait à trouver qu'il faisait un peu plus froid. Avec le vent, la pluie, on était tout mouillé. Gabriel, il a commencé à mal se sentir. Il voulait faire tout le temps des pauses, puis il semblait épuisé, là, comme un athlète qui était un peu trop au-dessus de ses capacités physiques. Puis il y a des étourdissements, de la misère à se tenir un peu debout. Puis il s'est mis à ralentir, puis à ralentir encore plus, puis à vouloir boire de l'eau tout le temps. L'hypothermie, ça veut dire que votre organisme n'est plus capable d'assurer l'équilibre entre vos besoins de chaleur et la déperdition qui se fait par la température extérieure, le facteur vent, etc. Donc, ça veut dire que mon organisme est en train de ralentir et c'est sûr que si je renverse pas la situation, ça va devenir catastrophique. L'hypothermie, c'est toujours dangereux. Vous pouvez avoir une hypothermie légère, une hypothermie modérée ou sévère. Légère, on parle de 32 à 34 degrés centigrades, alors que notre corps doit être à 37 degrés. Alors, on commence déjà à ce moment-là à avoir des tremblements, des troubles de coordination, on a de la difficulté à se concentrer. Il demandait tout le temps de boire quelque chose. Il nous disait, j'ai soif. J'ai soif, ça, il nous l'a dit un million de fois, peut-être bien. Là. Normalement, on devrait arrêter d'uriner quand on commence à être déshydraté. Mais là, s'il commençait à être effectivement hypothermique, il va uriner de façon importante parce que la vessie devient un peu paralysée, si on veut. Donc, à ce moment-là, c'est évident qu'on va avoir de plus en plus envie de boire. Gabriel, il me disait souvent qu'il voulait arrêter, puis qu'il voulait rester ici, puis qu'il voulait plus continuer. Puis j'essayais de le raisonner comme quoi qu'on pouvait pas rester là à cause de la température, puis qu'il fallait absolument se trouver un abri le plus tôt possible pour pouvoir se réchauffer. Aucun téléphone qui marche. Fait qu'il fallait juste essayer de trouver un chemin ou une cabane sur le dessus de la montagne pour essayer de réchauffer Gabriel. Même si vous voulez atteindre le sommet, il se pourrait qu'en cours de route, vous vous disiez, le temps est trop mauvais. Devrait-on continuer ou rebrousser chemin? Souvent, la deuxième option est la meilleure, c'est-à-dire rebrousser chemin. On était plus proche du sommet, puis on sait qu'il y a des bâtisses au sommet. Les roches étaient glissantes. Tenter de redescendre la montagne avec l'état de Gabriel, ça aurait été pratiquement impossible. Parti en excursion au sommet du Mont Washington par une belle journée d'automne, quatre amis se retrouvent en situation périlleuse alors que les conditions météorologiques se déchaînent. Gabriel Gauthier est à bout de force, incapable de poursuivre l'ascension par lui-même. Ses mains commençaient à raidir un peu comme un cadavre, puis ses jambes aussi, fait qu'il perdait sa coordination, il n'était plus capable de marcher. Il venait un moment où il répondait plus à ce qu'on lui demandait. Il avait l'air complètement perdu. Il ne voulait plus avancer du tout. Fait qu'on a dû, à deux personnes, on se relayait juste pour le transporter. À deux personnes, d'une roche à l'autre, on prenait une pause. Traîner dans les roches, puis c'était quand même assez difficile parce qu'il se coinçait souvent le pied entre deux roches, fait qu'il fallait souvent y ôter, décoincer le pied entre les roches, puis il a fallu le traîner comme ça, petit peu, pas par pas. On lui posait beaucoup de questions pour pas qu'il s'endorme, pour que ça soit plus facile, puis des fois, on lui donnait des petites claques au visage pour pas qu'il s'endorme, pour pas que son corps soit trop lourd à transporter. Mais à un certain moment, il n'y avait plus rien à faire. En voyant la gravité de la chose, à un moment donné, on a arrêté de donner à boire pour qu'on avance plus rapidement parce qu'il faisait un froid excessif.
D'après nos registres, la température était tout juste au-dessus du point de congélation. Les vents soufflaient jusqu'à 97 km/h, et c'est très venteux quand on n'est pas habitué à la montagne. Les vents au sommet du mont Washington peuvent être beaucoup plus forts que sur les autres montagnes des environs à cause de sa topographie. À l'ouest, le terrain est très plat. Si le vent de l'ouest franchit le sommet, il doit souffler haut et fort, et ainsi la vélocité est beaucoup plus forte qu'en temps normal. On avait même de la misère à se tenir debout. Il fallait se gripper après les roches pour pas se faire pousser du vent. On a perdu toutes sortes de trucs en montant. Là. Tout ce qui était accroché au sac, là, ça cherchait à s'en aller au vent. Le vent il était tellement fort qu'il a tout déchiré mon imperméable au complet. Fait qu'il a fallu que je continue à monter la montagne en coton watté. J'ai jamais vu de vent aussi fort. J'ai jamais vu la pluie tomber à l'horizontale aussi raide. On s'agrippait aux roches, on marchait plus près du sol. On essayait de viser les petites crevasses là, où ce qui ventait moins là, pour essayer de réchauffer Gabriel. On avait beaucoup de la misère à se parler. Il fallait qu'on crie pour qu'on s'entende. Avec la lanceur qui commençait à s'installer, on n'était pas capable de s'orienter. On avait juste des lampes frontales, on voyait un sac d'environ un pied juste en avant de nous, c'est tout. Les gens du Mont Washington, j'imagine, ils ont formé des monticules de roches où est-ce qu'on peut s'orienter d'un monticule à l'autre. Ces monticules de pierre appelés cairns balisent des sentiers au-delà de la limite forestière des montagnes. Tant qu'il fait clair, ça va. Mais à un moment donné, quand la noirceur s'est mise là-dedans, les petits monticules, on les a carrément perdus. On avançait à tâtons. Des fois, je me demandais si on revenait pas souvent sur nos pas ou si on allait vraiment dans la bonne direction parce qu'on voyait à peine un mètre devant nous autres. C'était dur d'essayer de trouver le chemin en traînant Gabriel. On avait nos sacs à dos à traîner, plus mon frère. Fait que c'était quand même assez lourd. Impossible de savoir où est-ce qu'on s'en allait. Pendant toutes ces heures-là, on était perdus. L'état de santé de Gabriel Gauthier se détériore à vue d'œil. Il est inconscient et sa respiration est très faible. Plus ça avançait, on voyait son état changer, commençait à avoir les lèvres un peu plus bleues. Il dépérissait. À un moment donné, ça en est venu à vomir. Un genre de vomissement bizarre, là. De la bile, là, je crois, quelque chose comme ça. Là. Ça veut dire qu'on est rendu déjà une hypothermie qu'on peut appeler modérée. Donc, en bas de 32 degrés centigrades. À 32, on a déjà 5 degrés en bas. Donc, ça veut dire que la fonction cérébrale, les fonctions de notre cerveau deviennent de plus en plus ralenties. Le cœur, lui aussi, va ralentir. Tous les autres systèmes vont être affectés. Au point de vue digestif, on va avoir des nausées, on peut avoir des sécrétions pulmonaires qui augmentent. Je crois que lui-même était rendu à plus s'en rendre compte qu'il vomissait. Là. La fatigue nous a gagné. On était même plus capable de marcher. On le soulevait pour le traîner, puis les jambes nous manquaient. Physiquement, les trois, on aurait été capable de redescendre. On avait encore de l'énergie, du gaz pour se mouvoir, nous autres, mais de porter assistance à quelqu'un d'autre pour le traîner, on était tous plus capables. Fait que là, on n'avait pas le choix. Tu peux pas laisser quelqu'un là. On peut pas l'abandonner, Gabriel. À un moment donné, j'avais un peu peur. Je me demandais si on allait réussir à le ramener en vie. Mais pour moi, c'était vraiment pas une option de le laisser là. On a beau vouloir monter encore, mais à un moment donné, les genoux me pliaient carrément, là. On n'avait pas tant de temps que ça à perdre parce que la météo s'en allait pas en s'améliorant. On était toujours perdus dans le blizzard. Oh non, c'est sûr qu'à un moment donné, ça m'a passé par la tête. Là. Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est peut-être la fin, là, pour les quatre. Gabriel Gauthier est inconscient. Son état est grave. Ses compagnons cherchent à le sortir de la montagne. Mais ils sont perdus dans l'obscurité de la nuit. Sans rien ni personne pour leur apporter un peu d'aide, ils doivent se battre contre les éléments. Afin de perdre le moins de temps possible,
Maxime Ladouceur part seul à l'avant. Il faisait l'éclaireur avec sa lampe de poche pour essayer de trouver quelque chose, un chemin ou une cabane ou peu importe. Je trouvais le chemin le plus simple pour faire un petit bout. Puis un coup que c'était fait, bien, là, je m'en revirais, je faisais signe avec ma lampe frontale. C'est le seul jour qu'il voyait au travers le bizarre, dans le fond de la lumière. Maxime au loin. On allait le rejoindre. On savait que ce bout de chemin-là, c'était sécuritaire. Tout au long de cette pénible ascension, Maxime sait qu'au sommet du mont Washington se trouvent des bâtiments. Il espère y trouver l'aide dont ils ont désespérément besoin. Partie gazonnée, puis j'ai trouvé un bout de bois brûlé par terre. Je suis revenu voir Guillaume, je dis, écoute, il y a de l'espoir. Tu sais, il n'y a aucun arbre, il n'y a aucune végétation au haut de la montagne. Parce que si on trouve du bois brûlé, c'est forcément quelqu'un qui est venu en voiture et qui s'est fait un feu de camp. Fait que, on doit être proche de la route. Fait que ça a comme redonné un peu d'espoir. On a trouvé l'autoroute, dans le fond, la route asphaltée où tu peux monter en voiture jusqu'au sommet de la montagne. On s'est dit, bon, OK, au moins, on est sur un chemin. On va peut-être voir quelqu'un, il va peut-être avoir quelque chose. Mais on savait pas trop si le sommet était vers la droite, vers la gauche. On a pris une chance, on a marché vers la gauche. Gabriel, Adrien et Guillaume ont resté ensemble, puis moi, je suis parti en éclaireur au sommet pour aller essayer de trouver de l'aide. On a marché un bon petit bout de temps encore là, en traînant Gabriel. On était vraiment plus capable de le traîner, on était vraiment à bout de souffle. Moi et Adrien, on a fait notre possible pour réchauffer Gabriel, qui était complètement trempé. Il répondait plus, il avait les yeux tournés à l'envers. Et on voyait que son état dépérissait de plus en plus. Pour ma part, je me suis quasiment étendu par-dessus Gabriel là, pour essayer de le réchauffer au maximum là, le temps que Maxime revienne. Quand on parle d'une hypothermie sévère, là, on parle d'en bas de 28 degrés centigrades, c'est pratiquement plus possible de réchauffer cette personne-là en montagne. C'est peut même devenir contre-indiqué d'essayer de la réchauffer de façon trop agressive. C'est-à-dire que si vous essayez de forcer les mouvements, on va induire d'autres réactions qui sont souvent néfastes. C'est-à-dire que le sang-froid des extrémités va retourner à l'intérieur de notre corps, puis finalement, ça va encore plus abaisser notre température. Donc, ça prend un milieu hospitalier. En arrivant en haut, il y a une boutique cadeau. Il est comme enchaîné au sommet. J'ai cogné, il n'y avait personne. Juste après ça, il y a comme une espèce de gros garage jusqu'à le parking. Là aussi, j'ai cogné, j'ai essayé toutes les portes de voiture s'il n'y avait pas une voiture de débarrer. Il n'y avait rien à faire. Puis juste à côté, il y a le centre d'observation qui est là. Puis même chose, j'ai cogné, j'ai hurlé, j'ai essayé d'avoir de l'aide, puis sans aucune réponse. Je me suis dit, écoute, on est en mode survie, fait que je vais essayer de briser une vitre, je vais essayer de rentrer dans la bâtisse, vraiment trouver du secours. J'ai cogné une fenêtre, mais c'est une station météo, vu que les vents les plus forts en Amérique du Nord sont enregistrés là. C'est comme des espèces de vitres, deux pouces d'épée, c'est incassable. J'ai pas été capable de pénétrer d'un bâtisse ou de faire quoi que ce soit. À la suite de ça, je suis redescendu. Maxime est revenu du sommet en nous disant, écoutez,
faut pas lâcher ici, il faut continuer. J'ai trouvé les... On est arrivé au sommet, j'ai trouvé les bâtisses, j'ai trouvé... Il y a même des voitures, il y a toutes sortes de choses en haut, il faut se rendre, on n'a pas le choix. Là. Je fais là, à partir de là, là c'est une deuxième dose d'adrénaline, si on veut. Là. On s'est dit, OK, là, on continue, on est presque arrivé. Sauf que l'énergie, il en restait pas tant que ça. Là. On a relevé Gab, commencé à le traîner. De là, on a perdu son sac de couchage au vent, on a perdu... Je pense que c'est là qu'on a abandonné son sac à dos aussi. On a réussi à faire un bon petit bout de chemin. Gabriel, ça faisait déjà un bout qu'il était plus avec nous. Il était en espèce de coma. Il avait les yeux virés à l'envers, puis il râlait. Sa respiration était un peu plus lente, un peu plus difficile. Il était pas en bon état. Ça commençait à être vraiment inquiétant. Là. Maxime Ladouceur se rend au sommet du Mont Washington afin de secourir Gabriel Gauthier en état d'hypothermie. Malheureusement, il revient bredouille. Il n'y a rien, ni personne pour l'aider. Et l'endroit semble désert. J'ai décidé de retourner au sommet, tenter de trouver du secours avec Adrien, son petit frère. Je me suis dit, où est-ce que ça va mener cette histoire-là? Là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui va arriver? Puis en même temps, je me suis dit, on reste pas ici. Là. Je parlais à Gabriel pendant... Je savais qu'il m'entendait pas. Là. Il était déjà dans le coma. Mais je lui parlais. Là. Je lui disais, Gab, inquiète-toi pas, là, on te laisse pas ici. On retourne à Belleuil, coûte que coûte. Arrivé au sommet, moi, j'étais écroulé à genoux. Puis je me suis senti comme partir. L'hypothermie est en train de me gagner. Puis j'étais en train de perdre connaissance, moi aussi. Je me suis reparlé à moi-même. Je disais, écoute, t'es pas pour crever ici. Là. T'as laissé ton chum sur la piste. T'es supposé aller le rechercher. Là. Fait que... Je me suis comme donné une claque dans la face moi-même, puis je me suis relevé. Par la force des choses, on dirait que j'ai poigné un deuxième souffle, puis je me suis remis à marcher. C'était comme deux gros bâtiments qui avaient une à côté de l'autre. Puis quand on est arrivé là, sur la place, on a cogné, puis il n'y avait personne qui nous répondait. Il y avait un auto que j'avais pas essayé, au travers de tous les véhicules qu'il y avait dans le parking. La première fois que je suis monté, j'avais pas vu ce véhicule-là dans le blizzard. Fallait vraiment que tu t'approches comme en arrière de la bâtisse pour le voir. La porte du conducteur était barrée, mais la porte du côté passager était débarrée. Le facteur de chance, là, que toutes les portes du véhicule étaient barrées, sauf la porte du passager, puis les clés étaient sur le pare-soleil, c'était incroyable. Fait que là, j'ai crié à Adrien, mais t'inquiète, on a un char. Ça a été une délivrance. Là. Fait que là, écoute, ça a été un regain d'adrénaline puis d'énergie. Là. Écoute, on a un véhicule qui marche. Là. On devait rouler 3-4 km/h jusqu'à Guillaume qui nous attendait avec Gabriel. C'était le moment le plus magique, si on veut. Là. Je me suis levé les yeux et j'ai vu des lumières de voitures arriver. Je me suis dit, wow, c'est notre chance. Maxime a trouvé de l'aide. Ils s'en viennent. On va être sauvés. On l'a marqué comme par la valise. Puis, écoute, ça a tout pris pour le mettre dans l'auto. Là. Puis, en même temps qu'on mettait dans l'auto, il râlait, il faisait des sons inquiétants, puis il sortait de la bile de sa bouche. Là. C'était vraiment inquiétant, là, je t'assure, là, qu'on était pour le perdre. Arrivé en haut, j'ai klaxonné, j'ai fait aller les hautes, les basses devant les bâtisses pour essayer d'avoir de l'assistance encore là. Il n'y a pas personne qui nous a entendu. Jusqu'à ce qu'on se dise, on n'a plus le choix, là. Faut rentrer. Faut trouver de la chaleur, faut trouver un téléphone. La seule cabane qui était moins équipée, là, chez la boutique cadeau, il y avait des vitres standards, après c'était des portes à carreaux.
J'ai essayé de casser la vitre avec un coup de coude, puis j'étais rendu tellement à bout de physiquement, j'avais même plus la capacité. J'ai pris une roche par terre, j'ai fracassé la vitre. Que le linge de Gabriel y était gelé. On l'a déshabillé, puis je me suis dévêtu aussi pour me coller contre lui, pour lui donner un peu la chaleur de mon corps. Puis on s'est recouvert avec le linge de la boutique Souvenir. Ça va, les gars? On n'avait aucune idée de ce qui arrivait. On voyait que côté signes vitaux, son cœur battait. Je voyais qu'il était blanc, 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 puis qu'il avait les yeux vitreux qui reviraient à l'envers, puis je sentais aucune respiration de sa part, fait que ça m'inquiétait beaucoup. Okay, reste avec les autres. Dans un cas d'hypothermie sévère, c'est un état de mort apparente. C'est-à-dire, si vous regardez cette personne-là par rapport à quelqu'un qui est mort, vous ne serez pas capable de faire la différence entre les deux. Les deux n'ont aucune réaction, le corps est froid, les yeux sont pupilles dilatées, il n'y a plus rien qui réagit. Le refroidissement du corps progressif fait aussi que le métabolisme, la fonction de ces organes-là ralentit, et ces fonctions-là qui ralentissent lentement vont nous donner une fenêtre de survie qui va être de plus en plus grande. Alors, si vous n'avez plus d'oxygène, dans 3 à 5 minutes, votre cerveau va avoir subi des dommages et il va avoir une mort cérébrale. Dans un cas d'hypothermie, ça va être 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes sans qu'il y ait aucune activité de circulation avant qu'on ait des dommages. Et tant qu'il y aura un petit peu d'activité au niveau de notre cœur et un minimum de respiration, on peut étirer ça encore beaucoup plus longtemps. Pendant que je réchauffais Gabriel, Maxime et Guillaume ont aperçu un téléphone dans une autre pièce. Fait qu'il a fallu qu'ils défoncent une autre fenêtre pour avoir accès au téléphone. Ils réussissent à joindre les secours d'urgence en composant le 911. Il est malheureusement impossible d'envoyer une ambulance par ce temps. Mais par chance, des employés de la station météo du Mont Washington se trouvent au sommet, dans un autre bâtiment. Des gens qui sont dans la station météo de l'autre côté, sauf que c'est comme un souterrain, c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas attendus. Ils vont venir porter assistance, pour attendre, ils s'en viennent. 10 minutes plus tard environ, les gens qui travaillaient sur la montagne sont venus nous voir pour donner les premiers soins à Gabriel. J'étais vraiment content de les voir. So this is the windy summit. Voici le sommet venteux. This is where they found. C'est ici qu'ils ont trouvé la porte qu'ils ont défoncée pour se réfugier en sécurité à l'intérieur du bâtiment. They came into this area. Ils étaient dans cette pièce. Gabriel était couché sur le sol, dans un sac de couchage. Il était inconscient quand on est arrivé et très mal en point. On l'a soulevé et couché sur une civière. On l'a emmitouflé, puis on l'a embarqué dans le camion qui se trouvait à proximité. Ensuite, on l'a transféré dans ce bâtiment où se trouve notre centre de premiers soins. On l'a enveloppé de couvertures chauffantes et on lui a mis du linge sec. Les ambulances ne montent pas jusqu'au sommet. Elles sont trop lourdes et les routes sont tellement abruptes qu'elles ne pourraient plus s'arrêter dans les descentes. Ils ont des véhicules adaptés pour le transport des gens, des Econoline 4x4. Ils ont dit qu'ils montraient avec ça pour être capable de transporter Gabriel vers le bas de la montagne où ce que l'ambulance nous attendait pour le transférer à l'hôpital parce que son état était vraiment critique. Donc, depuis le début jusqu'à ce qu'il se retrouve dans l'ambulance, il s'est écoulé presque 2 heures et demie, ce qui est très long. Gabriel Gauthier est emmené aux soins intensifs d'un petit hôpital du New Hampshire. Mais son état est à ce point critique qu'il doit être transféré d'urgence à un autre hôpital mieux équipé à Manchester.
Le médecin nous a annoncé, bon, ben, votre ami est dans un très, très mauvais état. Il souffre d'hypothermie avancée. Je me suis rendu compte vraiment de la gravité de la chose quand il est venu nous dire que son cerveau ne fonctionnait plus. Maxime Ladouceur et Adrien Gauthier ont enfin trouvé de l'aide au sommet du Mont Washington. Gabriel Gauthier a été admis à l'hôpital de Manchester où il reçoit des soins adéquats. Mais son état est critique. Il est dans un coma profond. On ne sait pas combien de temps que ça peut durer. Un jour, une semaine. De là, on était pas mal désemparés par les faits, là, mettons. Quand on parle d'une hypothermie sévère, ça prend un réchauffement par circulation extracorporelle, c'est-à-dire que cette personne-là va être branchée sur des machines qui vont finalement réchauffer son sang, qui vont permettre de faire circuler le sang alors que le cœur ne fonctionne plus déjà, il est probablement arrêté. Il ne pouvait pas être transféré au Québec avant parce que c'était trop dangereux vu son état. Je l'ai pas appelé mes parents pour leur dire, pour pas les inquiéter avec ça. J'aimais mieux leur dire une fois que j'allais arriver à Québec. Après une nuit d'inquiétude, Maxime, Guillaume et Adrien repartent en direction de Montréal aux alentours de midi. Ils laissent Gabriel derrière eux, aux bons soins des médecins de l'hôpital de Manchester. Adrien a été secoué, là. Il était en état de choc d'avoir perdu son frère de cette façon-là. Il regardait sans cesse la vidéo qu'on avait tournée là-bas de son frère, puis il parlait à son frère à travers la caméra. Ça a été de même jusqu'à temps qu'on vienne au Québec. I'm your host, Gabriel. I'm from Mount Washington, United States, New Hampshire. Alors, c'est tout en ce qui est prêt de ce 12e volet de notre exposition Mount Washington. C'était un plaisir. Et si on se tue pas, on va se revoir en haut. On va se revoir en haut. Espérons-le. Ça a été peut-être le moment le plus difficile de toute l'aventure. Là. Aller annoncer à sa mère que son fils est dans le coma. Là. Ça a été vraiment quelque chose de difficile, mais il fallait que je le fasse. Ça a eu vraiment l'effet comme d'une bombe. Elle pleurait beaucoup, beaucoup, puis elle a appelé mon père à son travail. J'ai appelé à l'hôpital, puis ils m'ont dit qu'il était dans le coma, puis que son état était sérieux. Fait que mon focus, c'était ben, de m'en aller là. C'est qu'on est parti, puis on a roulé toute la nuit jusqu'à 1h30 du matin, à peu près. On est arrivé là-bas, à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'unité des soins intensifs, ils nous ont montré l'unité dans laquelle ils étaient. Puis ils ont ouvert le rideau, puis là, j'ai vu Gabriel. Là. C'est comme j'ai eu une émotion. Là. Il a fallu que je ressorte. Que je prenne mon souffle, tu sais, parce que c'était pas beau, là. T'sais, avec toutes les intubations, les tubes, les choses étaient connectées de partout. Il y avait toujours un équilibre à maintenir pour la respiration, pour la médication. En tout cas, c'était vraiment techniquement très difficile à balancer. La quatrième journée, je pense que ça a été la plus pénible parce que je me demandais vraiment s'il allait s'en sortir ou s'il allait tout le temps rester là. Salut Gab. J'espère que tu es bien en ce moment. Tu me manques, j'ai hâte de te revoir. Puis j'aurais jamais cru que je t'aimais autant. Depuis que je suis jeune, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je ferais si tu serais plus là, si t'arriverait quelque chose un jour, puis j'espère que tu vas bien aller. Je t'aime beaucoup. Bye.
J'étais vraiment excité de enfin pouvoir le voir se réveiller. Je me demandais d'où est-ce que je me réveillais, où est-ce que j'étais exactement. Puis il y avait mon frère qui était là, puis qui me disait « On s'en retourne au Québec, Gabriel, fais-toi-en pas. Tu vas pouvoir recommencer à jouer au tennis, tu vas pouvoir recommencer à faire du rollerblade. » Mon frère, il a été dans le coma pendant 6 jours de temps. J'avais un peu peur qu'il reste avec des séquelles. Son cerveau, malgré tout, a été endommagé, mais il s'est réparé. Le dommage n'était pas permanent, donc il a été chanceux, même extrêmement chanceux. J'étais vraiment content de revoir mon grand frère avec moi, puis qu'il soit comme avant. Dernier souvenir que j'ai, il fait noir et puis il grêle. Et puis, donc, c'est assez désagréable là, comme moment. Et puis, moi, tout ce que je veux, c'est me reposer. Puis, je veux qu'on s'arrête, puis que je me repose sur la roche, puis que ça finisse là, même s'il fait noir, même s'il grêle. Moi, je suis plus capable d'avancer. On était très bien documentés, on était très bien préparés. La seule chose, c'est que je pense que 3 personnes n'étaient pas préparées à en tirer une 4e. Donc, c'est surtout là que ça s'est gâté, cet aspect-là. With respect to Gabriel and his team, sans vouloir manquer de respect envers Gabriel et ses amis, je crois qu'ils auraient pu faire demi-tour beaucoup plus tôt. Dès qu'ils se sont rendus compte que l'un d'entre eux n'allait pas bien, ils auraient pu réfléchir à la situation et se dire, puisqu'on ne pourra pas tous atteindre le sommet, il vaudrait mieux rebrousser chemin. Le problème, c'est qu'on ne connaît jamais la capacité des autres. Il ne faut jamais essayer d'aller plus vite que la personne la plus lente du groupe. Ça aurait pu les aider. Il y avait des gens, les gens de la montagne, qui nous disaient de ne pas aller monter la montagne ce jour-là, puisque ça allait être dangereux, qui attendaient des températures là, vraiment désagréables là, et même plus. Alors, nous, après 5 heures de route, c'est sûr qu'on se dit, des températures désagréables, ça ne nous arrêtera pas. Là, quand même, on est jeune, on est en santé, on va être capable de braver ça, ces températures-là. C'est juste un défi de plus à relever, finalement. Donc, après 5 heures de route, là, on décide d'y aller quand même. 5h-10. The Huntington River. Ils ont trouvé son sac à dos ici sur le Mont Washington. C'est que je leur ai demandé de me l'envoyer. Il y avait des vêtements, il y avait un paquet de choses, puis il y avait une roche. Il y avait une grosse roche qu'il avait ramassée sur le Mont Washington durant la journée. T'sais. Puis là, je pensais, ces gars-là, ils ont essayé de le sauver, ils l'ont transporté, puis ils ont transporté son sac à dos pendant une bonne période sans savoir qu'il y avait une grosse roche dedans. C'était lourd. Les factures sont arrivées, puis assez vite, des cliniques aux États-Unis qui servent l'hôpital parce que c'est pas un hôpital qui t'envoie une facture. C'est toutes les cliniques qui font affaire avec l'hôpital, qui pour le pneumologue, pour le médecin, pour l'anesthésie. C'est toutes des factures différentes. Ça montait à un montant qu'on évalue entre 80 000 et 85 000 $ là. Lorsque des soins de santé sont requis à l'extérieur du Canada, le régime d'assurance maladie du Québec ne rembourse que 100 $ par jour d'hospitalisation. Et ceci sans égard à la nature des soins requis par le patient. C'est l'épreuve la plus difficile que j'ai eu à vivre de toute ma vie. Gabriel pouvait pas payer un tel montant, puis nous non plus. Alors, tu sais, ça a amené beaucoup de problèmes. C'était des agences de collection américaines qui envoyaient qui l'appelaient, tu sais, qui envoyaient un peu comme des menaces, là, presque. Malgré des levées de fonds qu'on a faites, beaucoup de gens ont contribué. La porte de sortie la plus facile, c'était de déclarer faillite. Sauf qu'on n'est jamais fier de déclarer faillite, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est sûr que ça va me suivre longtemps. Ça me suit encore aujourd'hui, ça, la faillite. C'est sûr qu'il y a un petit peu de culpabilité là, du fait de se dire que c'est sûr que c'est ma faute. Dans le fond, c'est pas la faute de personne d'autre si j'ai pas mangé, c'est pas la faute de personne d'autre si j'ai pas bien dormi. Donc c'était à moi de mieux me préparer pour affronter tout ça, pour pas être un fardeau. Finalement, c'est ce que j'ai fini par être. Je suis très reconnaissant là, envers ces personnes-là, Adrien, Guillaume, Maxime. Ils ont mis leur vie en jeu d'une certaine façon pour pouvoir me sauver.